Salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, Gran Turismo 5, épisode 3. Comment ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Comment t'es la ferme? Comment vas-tu? Si tu veux savoir pour moi, moi ça va super bien. Enfin, à part que je me suis réveillé assez tôt pour faire cette vidéo. Il est 8h. 8h, très, très précise. Permis. Bon, on va commencer par un permis pour changer. Parce que j'ai envie de les faire en plus niveau 6. Au moins, on pourra le faire. Allez. Passe le permis intercontinental. Aston Martin DB9. Ça carbure. Le carburant sec même. Elle est bien, honnêtement. Ça, si je peux me l'acheter, je me l'achète. Hein. Genre, on va faire mieux. Ah, j'y arriverai pas. Allez, plutôt. On va recommencer. On va recommencer. Ok, bon, faut freiner plutôt. Elle va bien. Elle. Si jamais j'ai une coupe anglaise à faire, pourquoi pas. C'est bien, c'est que ça permet de tester des voitures quand même, ce genre de merde. Quand je dis ce genre de merde, c'est le permis. Et je vais pas y arriver encore une fois. Oh là 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 là, putain. On va faire ça en deuxième alors. Pourtant c'est de la ligne droite, bordel de merde. Bon. Hop. Non mais même pas. Mais freinez où, bordel? J'ai freiné genre 10 mètres avant, mais non. Merci, Yannick. J'en ai marre de ces permis, j'en ai marre. Et pourtant, il nous en reste 3. Allez, permis suivant. Enfin, permis suivant. Défi suivant. Trail Mountain. Oh là là. Freinage appuyé et sortie d'un virage après une ligne droite. Ouais. Et pour ça, vous me donnez quoi? Voilà, ça c'est déjà bien ça. WM5. Je suppose qu'on est sur la ligne droite de Trial Mountain. Oui. Bon. Alors c'est pas intercontinental, c'est international C. Donc après je suppose qu'il y a ICB. Enfin ICB non.
IB, IA. Ah non, mais sur la ligne droite arrière. Elle est bien aussi la BM. Médaille d'argent, ok. Pas coupe d'argent, oh, puis merde, enfin, argent. Argent, toujours plus d'argent. Allez. Est-ce que là tout va bien? Heureusement, enfin, pas avec l'Aston Martin où j'ai un peu galéré. Franchir une double épargne. Ah ouais, je vous. Les Z, même délire qu'avec la Toyota Vitz et Yaris, hein, si vous vous souvenez, faire les Z au Japon et 370 merde, en Europe. Merde, pas vu le départ. Oulolo, ah, c'est vachement vite. Enfin, plutôt j'ai réaccéléré vachement vite. Merci. J'anticipais en descente sur terre. Sur terre, on va se marrer là. Ouais. Donnez-moi une voiture 4 roues motrices parce que sinon on va en chier, ça va y voler. Ah bah voilà, c'est bien ça. Niveau 9. C'est très bien. Bon, on l'a vu le décor derrière, c'est sur terre ou sur neige parce que. C'est impossible de partir en crabe dans ce jeu. Enfin, surtout pas de contre-braquage en fait. Oh lolo. Putain, je m'en suis bien sorti hein, pour avoir une médaille d'argent parce que là. Si vous voulez, la voiture fait un mouvement bizarre. Vous tirez le manche. Vous tournez le volant à gauche pour prendre une épingle à gauche. Et une fois que vous êtes parti à gauche, si vous voulez faire vraiment comme. Comme dans toutes les écoles de drift ou de rallye ou de ce que vous voulez, vous contrebraquez pour garder un peu un minimum de stabilité dans le virage, mais là dans le jeu vous contrebraquez, bah vous repartez dans l'autre sens. Bon allez, permis suivant. Allez, on va vite enchaîner parce que là j'ai envie de rouler avec mes voitures, même si là c'est plutôt sympa d'en tester d'autres. Mais... Enfin, j'ai envie de rouler avec mes voitures. Bon, j'ai 35 coupés. C'est un circuit de Rome qui est un très beau circuit. Je l'ai déjà dit, on l'avait déjà fait en permis. J'ai plus envie de rouler, mais bon, en fait, on va aller en best spec après. Oh purée, ouf. Claqué. On va aller en best spec après. Après le best spec, on fera. En fait, on fera une coupe en best spec. Et je referai la même derrière, mais en aspect. Et si on a le temps, on ira à l'école de Jeff Gordon. Ok. C'est tout?
Si vous voulez, bon, on y va. Depuis chez vous, on n'a pas que ça à faire, on a d'autres chats à fouetter, comme on dit. Allez. Dites-moi, je ne vois absolument plus de quel circuit il s'agit. Virage en aveugle en zone boisée. Ah ouais, oh pff, ouais, il est simple le circuit. Enfin, surtout, il est simple, c'est en plus spec. Parce que. Enfin, il y a des circuits où vous devez gérer plus que d'autres votre pilote. Et là, c'est le circuit où si vous demandez d'accélérer aux bons endroits, il va accélérer. Et évidemment, quand vous lui demandez plus rien, il va se canaliser lui-même. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est typiquement le circuit où si vous accélérez aux bons endroits, il va se canaliser lui-même aux bons endroits et vous réaccélérez derrière en fait. Sans qu'il se crache. Oh lol lol lol. Ah, c'est vraiment un aveugle. Ok. Allez, 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 allez. Pour ceux qui veulent savoir, là juste après, je vais faire un petit zombie sur Black Ops. Permission, un petit zombie sur Black Ops PS3 cette fois. Bon bah, de toute façon, qu'est-ce que j'ai fait en termes de Call of? J'ai fait Black Ops 2, mais bon, j'ai fait sur Xbox, et encore il est pas à moi. Black Ops 1, je l'ai sur les deux consoles, mais on va faire ça sur PS3 parce que j'ai les maps zombies sur PS3. Enfin, j'ai toutes les maps en fait sur PS3, j'ai tous les packs de Black Ops. En fait, j'ai pas vu du coup la caisse qu'on a. Ah, si, une Subaru, ouais, c'est vrai. Il est team volant sur un sous-bord. Bon. Ça me dégoûte un peu de voir que. Ouais, enfin, je me démarre plutôt bien, mais je trouve que c'est un peu abusé les chronos qu'ils ont mis quand même. Ce qui est chiant, c'est que, admettons, vous faites là par exemple, je prends l'exemple, mais attends, le franchir le virage, le fameux virage, le laissement qui dure chaque monde. Ah ouais, je vois pas. Mais là, ce qui est dégueulasse, mettons, vous faites 21 secondes. Si vous faites 21 secondes 0,10, bah vous avez pas la médaille d'argent. Quoi, c'est le truc, c'est vraiment dégueulasse. Ah, une Brera. Pour info, c'est mon alpha préféré, la Brera, avec la Giulietta. Sur 10 ans, c'est mes deux alphas à refaire. Même si la Brera reste devant la Giulietta. Oh putain! Oh, ça change à l'intérieur de la Subaru là d'un coup. Silencieuse. Enfin, silencieuse, voilà, ça va. Mais quand même, un champ silencieuse. C'est là, c'est que sur le compteur, là, je viens de remarquer, c'est pour ça que je parlais pas, mais je lisais. Sur le compteur digital de la bagnole, on voyait quel trophée on avait. Quel trophée on avait eu. Enfin, pas quel trophée on avait eu, mais mettons, j'ai eu un temps de trophée d'argent, donc j'étais entre l'or et l'argent. Ben, j'ai vu que mon tableau de bord il me marquait après, enfin after the gold, donc l'or. Bon, alors ici 9, Fuji Speedway, ok. Exploitation du freinage tardif pour doubler. Oui. Ok.
corvette 06. Celle-là, on pourra la transformer en SNK5, comme je vous ai dit lors du premier épisode, je crois. Enfin, je sais plus, je fais des épisodes tellement longs que je sais même plus où j'en suis. Enfin, c'est pas que je sais plus où j'en suis, c'est que je sais plus ce que je dis dans les autres. Faut dire, devant, je l'ai fait à la suite, mais là, j'en ai pas fait un à la suite. Parce que, au bout de 50 minutes de let's play, on en a un peu marre du jeu, tu vois. On n'a pas envie d'enchaîner sur 50 minutes derrière. Ouais, alors exploitation du freinage tardif, là, c'est un peu trop tardif à mon goût. Ouais. Celui qui m'a posé le plus de problèmes, c'est le premier. Faut dire, ça me pose souvent des problèmes. Enfin, quand on est Ok, niveau 8, merci. On va choper une bagnole, je pense. Je pense à chaque niveau, je crois qu'on chope une voiture, je suis pas sûr. Oh, je sais plus. Permission, non, elle est le dernier. Mais le premier, là, c'est chiant, ça n'était pas arrêté. Hein. Enfin, un drag où tu dois t'arrêter dans une zone. C'est chaud. Une bataille sur deux tours, ce qui est drôle. Ok, au moins vous pouvez découvrir le circuit de Rome. 512 bébés, putain, on est bien. On est très bien, c'est pas qu'elle avance pas, c'est que j'ai hâte de voir ce qu'on a en face là. Si on a des Lamborghini Miura, on est dans la merde, c'est un peu limite. Il faudrait que je parle un peu plus fort, je pense. Allez. Ça glisse un peu. Ça glisse même beaucoup. C'est la Stratos. Allez, casse-toi de là. Allez, je vais voir les corvettes là devant. Hop, on la fume. C'est quoi qu'il y a devant là? Encore une corvette. Cabriolet, ça se voit. Oh lolololololol. On va essayer de fumer pour un demain troisième, vu que les deux devant là, ils se sont un peu barrés. Attends, ma vie, c'est du Lamborghini Miura. Non, tu me diras, elle est devant. C'est chaud. Oh lolololol. Elle glisse cette bagnole, c'est incroyable. Mais elle glisse dans le mauvais sens du terme, parce qu'il y en a, tu glisses, tu prends du plaisir à les reprendre, mais alors là, c'est. C'est une Ferrari, j'ai envie de te dire. Oh lolololol. Et je suis pas réussi à le dépasser, hein. On va forcer le passage.
Ok, alors on s'en fout de la place où on arrive du moment qu'on arrive, parce que là ça m'énerve. C'est un circuit en ville comme ça, aussi exigeant, une bagnole qui glisse, mais une savonnette la bagnole. Et ah, tu prends un mur de plein fouet, t'es disqualifié. Bon, vous savez quoi, hein. Oh putain, oh putain, oh putain. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça. Ça m'énerve. Ah, les bums, les bums, les boobs en bums, bref, les bums, ils disent rien, c'est bien. Ok, est-ce que tout va bien? C'est trop marrant parce que... En fait, Ouh là, attends, on va se concentrer pour passer ce virage. Non, 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 non. Et si? Putain! On est marre, là, bordel! Quelle heure? Ah, là, je suis con, je commence à 8h, donc là, il y en a 22 minutes de vidéo, enfin 23, mais bientôt. Je suis con aussi, moi. Oh, mais j'en ai marre, là, bordel! Ça fait 20 minutes qu'on s'est retrouvé sur un putain de permis, bordel! C'est pour ça qu'il m'avait fait rager ce putain de permis de merde. Hop là. On va bien freiner au droit. Pas tant. Oh putain, ils sont juste là. Non? Ah, ils sont encore devant, merde. Ok. On va se concentrer sur les points de freinage et surtout on va essayer de ne pas tourner pendant les freinages, sinon avec beaucoup de précautions. J'appuie vraiment très peu sur le joystick de la direction parce que putain. Tranquille, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'on va le faire tranquille, ça fait 3 fois qu'on recommence. On va arriver à 25 minutes de vidéo, c'est-à-dire plus du tiers, le bordel de merde. Bon bah si on doit aller jusqu'à 1h, on ira jusqu'à 1h, mais on va faire ce que j'ai prévu, hein, putain. Mais bon. Ça me fait chier d'aller jusqu'à 1h de vidéo, mais bon. Tant pis si on la gagne pas, hein, mais bon. Non, 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 non. Surtout pas dans le dernier virage. Je
me souviens dans ma carrière perso, je m'étais fait chier à aller chercher le premier. Autant vous dire que c'est pas la peine pour que j'aille le chercher, hein. Parce que ça va vite moi-même me casser les couilles. Putain. Bon, pour ceux qui aiment bien cette bagnole, désolé, j'ai un peu arraché. Vraiment, on a fini cet enfoiré de permis. Et sadique ce permis. Merde, putain de merde. Quitte-moi cette merde. De toute façon, je l'ai le permis, c'est bon, on se casse. Normalement, alors je sais plus si on gagne des bagnoles avec en gagnant un niveau. Mais là, déjà, on est sûr d'en avoir une avec le permis. J'espère que c'est une grosse voiture. Enfin, vu le permis, oui. Félicitations, vous venez d'obtenir le permis international. Vous pouvez participer à davantage de courses et vous préparer au défi suivant, le permis B international. Ok, merci. Super permis. Allez, on se casse. Oh putain, génial. Putain. On fait tout le permis avec des Aston, des Mitsubishi, de tout ce que vous voulez. Ouais, c'est bon, moi j'ai un trophée, j'avais dit. On se casse le cul à faire tout un permis avec ça, bien nous faire languir, et qu'est-ce qu'il nous donne? Allez voir. Si vous voyez pas bien, je vous le remontrerai après, parce que... On a fait le permis en Aston, Mitsubishi, Subaru, tout ça, hein. Regardez bien. Voilà. Je veux pas utiliser cette voiture, hein, bien sûr que non. On va la garder, hein. Je dis pas on va la garder, mais je vais pas l'utiliser, ça sert à rien. Mais... Cette caisse ne sert globalement à rien. Hein. Bon, moins cher, on aura bien mieux. Ça. Voilà. Ça ressemble à ça. De une, c'est dégueulasse. De deux, elle avance pas. Même si elle a 400 chevaux, quasiment, je dis pas, hein, mais. Voilà, on aura bien mieux. Allez, B-Spec, c'est parti. On va peut-être enfin commencer le jeu au bout d'une demi-heure. Allez, FF Challenge, c'est quoi ça? Le défi à J'ai pas une... Justement, là, si on a... Fermé, c'est bon, y'a que toi. Standard. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, si vous avez pas vu la fin de la dernière vidéo, Gran Turismo, enfin, j'avais dit au revoir, je vous avais dit au revoir, et puis j'avais laissé la Nissan. Donc, on avait gagné une Nissan Cup. Nissan Micra Cup. On va l'utiliser, on va voir ce que ça donne. J'ai regardé les performances des autres voitures, voir si je dois l'améliorer ou pas. Exemple d'adversaire. Ah d'accord. On va se faire baiser. Bon. On va chercher une autre voiture, une voiture AV-AV. Une voiture AV-AV en occasion, surtout une bagnole qui a au moins 200 chevaux. Est-ce que j'ai pas la thune, sinon je l'aurais pris. Escorte WRC. Tiens, une Honda S2000, est-ce que c'est une AV-AV? Non, AV-AV. Bon, on dégage ça. 3000 GT, Mitsubishi 3000 GT, c'est puissant ça. 4x4, putain. De 40 SX. Oh là là, mais. Putain, mais. Ah bon, 1 million. Enfin, 2 millions, mais bon. Voilà, ça se respecte, hein.
c'est la voix. C'est bon, 360, c'est vrai que je crois que c'est un break ça. Oh putain, non, c'est même plus un break. Ah, d'accord. J'ai oublié que c'était celle-là. J'ai oublié le nom de la bagnole. Y'a rien, y'a vraiment rien, vous êtes sérieux? Deep Air, c'est quoi ça déjà? Ah, bah voilà! 185 chevaux, putain, c'est pas que ça qu'on va avancer. Mitsubishi, c'est une 4 roues motrices. Mazda protégé. J'ai jamais vu celle-là. 165 chevaux, on risque pas de la prendre, mais juste voir l'arrière parce que. J'ai jamais vu cette caisse. Ou si je l'avais déjà vu, je m'en souviens plus. Ok. Et Ride 7, non? À part. Oh putain, en plus elle est belle celle-là! C'est une édition, c'est une édition spéciale. Bon, j'en ai marre là, parce que je me suis fait rouler dans la farine, là, comme on dit. Solstice! Non? Avare, en plus c'est dégueulasse cette caisse. 350Z! Avare, ok. On fera une autre coupe hein, si jamais on trouve pas. Av avec 85 chevaux. C'est pas avec ça qu'on va y aller. Hein. 131 chevaux. Ah bah voilà, ça, c'est bien ça. Alors bouge pas, 200 chevaux. Donc 200 chevaux, on va aller voir combien il nous faut. Combien il nous faut au minimum. J'ai bien au minimum. Alors, défi Av. Exemple d'adversaire. Ouais, entre 200 et 225. Ouais, si bien la 200 chevaux, on aura moyen de l'améliorer si jamais on n'y arrive pas. Les caisses modifiées là devant tous les ans. Où ça sort, ça, j'ai jamais eu cet écran. La TTHPA là-bas, ok. Ouais. Bon, oh, si vous voulez. Ah ouais, d'accord, je suis en revenu de la merde, putain, je suis con aussi, moi. Entre 200 et 225 chevaux. Si on trouve mieux que la Civic, on prendra mieux. Hein. Donc, pas de problème. La Punto, j'ai déjà vu. La MX5. Avare, donc on va tomber. Vectra. Ab, 211 chevaux là, c'est déjà mieux là. Bon, on va avoir un couple moteur, pour moi ça va. Mm-hmm. 196 newtons et là. 4000 tours minute. Ah d'accord, ouais, mais celle-là elle est plus nerveuse, donc je pense qu'au change on sera mieux avec la Tipper qu'avec la Vectra. Ah par contre là c'est pas la peine de la prendre, elle ne servira à rien. 190E. Non, elle va nous servir à rien aussi, c'est une L9R. Ah aussi, mais bon, il n'y a pas assez de puissance. La TVR, j'ai assez de tout pour me l'acheter, est-ce qu'elle va me servir? Non. Mazda 2. Non plus. Bon, on va partir sur une Tipper, hein, je voulais que je vous le dise. Allez, on va acheter notre première voiture d'occasion. Tous les autres, on les avait gagnés. Acheter. Voulez-vous acheter cette voiture? Oui. On achète ça avec l'argent du permis. Vous voulez utiliser cette voiture? Oui. Allez, dépêche. Avant de partir, pour qu'on ait un peu plus de puissance, on va aller faire la révision, donc vidange, etc. Allez, vidange, j'étais auto.
Puis que pendant qu'on y est, on va aller la laver, hein. Comme ça va me permettre de te présenter. Pour tous vos besoins d'entretien et de personnalisation, un seul endroit, GT Auto. Que vous ayez besoin de faire une vidange, de refaire une peinture, de choisir des pièces aérodynamiques ou d'une préparation de course complète, c'est ici que ça se passe. Le prix varie en fonction du service demandé. Un objet peinture sera nécessaire pour peindre la voiture ou ses jantes. Alors lavage de voiture, on va la laver. 50 crédits, c'est que dalle. Allez. Merci. Vidange, est-ce que l'huile, est-ce qu'on a besoin de... Oh oui, on a besoin de faire une vidange. Ouais. Ça, c'est... On va passer de... De 200, de, enfin de 194 à 204. Allez. Voilà. Peindre la carrosserie, on a besoin peut-être de choisir des jantes, mais ça sert à rien, j'ai juste regardé les jantes. Ouais, non, c'est bon, j'en fais déjà, j'en ai ras le cul. Des composants aérodynamiques ici? Oh putain! Pour faire une caisse de WDCC, le truc. Ou pas explique, comme vous voulez. Refaire le moteur. Non, ça va, y'a rien, mais. Juste des trucs un peu rouillés, mais bon. Ouais, ça vaut pas le coup de payer 6500 de gagner que 6 chevaux, on le fera plus tard le moteur. Rigidité de la carrosserie, ça vaut le coup, non? Bon. Ok, y a pas de modification course, c'est pas grave. On a ce qu'il nous faut. Maintenant, on a plus qu'à croiser les doigts. Si on veut pas que... On a plus qu'à croiser les doigts, les droits, putain. Je vais manger un coup avant d'enchaîner sur la prochaine vidéo parce que moi j'ai l'impression que je suis un peu claqué là. Donc on va croiser les doigts pour espérer ne pas tomber sur des véhicules assez performants de l'autre côté parce que avec 204 chevaux. Alors Megans, Renault Megans, bref, Renault Megans Sport, Honda Accord, Alfa Romeo, Integra Type R, et d'autres Integra Type R, c'est pas la même. Ouais, on va lancer la course, Suzuka Circuit Est. C'est parti. On va l'assister un petit peu. Là, tu vas accélérer maintenant. Nouvelle, la voiture est dans le coup. Mauvaise nouvelle, c'est pas un circuit qui est facile pour doubler. Je vois, mais la Megan Sport, c'est elle qui est un peu plus performante que les autres. Hein, s'il y a moyen d'en avoir une, je suis preneur. Hein.
Ok, on est troisième, tout va bien. Hein, tu peux. On va pas lui demander d'accélérer tout de suite, tout de suite. On va attendre un petit peu. Vas-y, essaye de dépasser là. Est-ce que tu peux? Non. On va attendre un petit peu là. Oui. C'est ta chance, bon vas-y, vas-y, engouffre. Ouais, bien joué. C'est bon ça, on a une voiture un peu plus performante que les autres apparemment. Quoique, j'ai rien dit en fait. Bien joué! Passe en tête! Bon ça! J'ai bien fait de l'acheter, elle nous sera utile plutôt. Par contre, là, le mec il se rapproche un peu trop. Donc, il accélère un peu. On arrive au quatrième tour en tête. Bon, bah, pour l'instant, ça va. Si on arrive à finir premier là comme ça en B-Spec, je pense que on aura des chances de nous-mêmes terminer premier. Je parle pas parce que je baille depuis tout à l'heure, je suis mort. Ah, puis ce qui me dégoûte, c'est quand même une demi-heure pour ce putain de permis. Ah, puis je pense que ça, je vais le mettre en titre de vidéo, ça. Alors là, pourquoi il freine tranquille, lui? C'est cru chez mémé, lui. Cette expression de merde que sort les gens de ma classe. Très beau bruit cette voiture. Par contre, là, non, il n'y en a plus qu'un, là, il y en a deux là, qui arrivent, donc accélère. Ah, et puis manque de peau, c'est une autre Honda Integra qui arrive, donc on va accélérer très vite et très fort. Qui résiste. Hein. Le dernier tour, il va être tendu, hein, c'est moi qui vous le dis. On a repris une petite avance là, mais c'est pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Hein. Mec, il résiste bien.
Ouais, c'est une sorte, c'est une forme de pression, mais pas trop, mais. Il y a une meilleure accroche dans les virages, hein, parce que c'est dans les virages qui me baise. Hein. Bon, on a gagné. On va enchaîner sur le. Sur la prochaine, la prochaine course, on va passer l'heure de vidéo. Parce que là, je vois, on est. Oh, puis je sais pas. Je sais pas si je fais la spec. La spec. Ouais, non. Oh, putain, c'est un putain de dilemme. Ok, merci. C'est un putain de dilemme. Parce que. Est-ce que je fais que le B-spec et la spec on le reprend dans le prochain épisode? Ou est-ce que. On fait que. Enfin, ou est-ce qu'on fait les deux et on fait un épisode plus long? Non, écoutez, de toute façon, on n'est pas un épisode en plus. Hein. Donc, on va finir cette course. Enfin, à voir où on est. Ouais, non, on a encore deux courses à faire. Celle-là et une autre. Admettons, celle-là, on l'a fini à 52, 53 minutes. Ouais, non, 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 on va s'arrêter après. Après ça. Désolé pour ceux que ça, pour ceux que, qui s'intéressent d'avoir des épisodes plus longs. Pour une prochaine fois, pourquoi pas, mais. Enfin, ou bien faites-le moi savoir si vous voulez des épisodes plus longs. Et pas de problème, moi j'en ferai quand je pourrai. Allez. Pourquoi chaque fois il me fait des écrans noirs là, putain? Ok, c'est bon, on y va. Merde. Allez, c'est parti. Accélère. Ok, on gagne déjà deux places, c'est bien. Trois places. Ok. Cette Leon devant. Et c'est une autre Civic qui est devant. Alors du mal à doubler celle-là. Et pourtant il va falloir. T'as moyen, décale. Pas de ce côté là, putain. Oh là 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 là. Il m'a fait quoi là? Ok. Ouais. Bien joué. Enfin, ouais, c'est bon. Je crois qu'il allait se prendre le mur, cet abruti. Prends la spi. Puis on va lui demander d'accélérer. Le mec devant il a une type R, il a une Integra type R comme la mienne, mais elle est un peu plus récente la sienne. Hein. Les feux sont pas les mêmes. Ou bien c'est le même modèle, mais en sport, je crois. On va pas se presser, on est au deuxième tour sur 6. Alors regardez là, il commence à faire des erreurs. Le problème c'est que dès qu'on passe, enfin, carburé sec, parce que sur un circuit comme ça, faut pas rester sous la pression, parce que ça va être chaud. Ah, il s'est pris le mur, enfin la glissière. Allez, dépasse. On est capable. Ah,
Allez, 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 on y croit. Oui. Il a cédé. Non, pas encore. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est bon, on est passé. Ok, maintenant faut. Oh putain. Maintenant faut carburer. Merde, 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 merde. Ah merde, putain. Il s'est pris le mur là-bas. Ah là 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 là. Tout est à refaire. Non. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que t'as? Allez, accélère. Ok. Tendu. Sauf ce qui m'énerve, c'est qu'on va devoir la recommencer si jamais on perd. Et là, on est bien parti pour. Hein. Bon, bah, quoi qu'il arrive, on va faire une vidéo plus d'une heure. Donc, si quoi qu'il arrive, on fait une vidéo plus d'une heure, bah, on enchaînera sur l'aspect histoire de faire une bien grosse longue vidéo. Une bien grosse longue vidéo. On va. Une très longue vidéo. Mais qu'elle soit. Merde. Ouais, enfin, voilà, que vous m'avez compris, peut-être pas, mais genre, ce que je vais vous le dire, c'est que quitte à faire une heure sans la spec, on va faire une heure avec la spec, hein, ce sera plus long, mais tant pis. On verra. Juste là, on prie pour que ça passe. Putain, qu'est-ce qu'il fait là? Et elles prennent pas là, putain! Pas besoin de freiner là! Incroyable! Ouais, on est bon pour la recommencer, hein, je pense. Hein. On va se mettre sur une vue capot plutôt. Histoire de voir à peu près qu'est-ce qui se passe. C'est le dernier tour, on y croit. Tu freines bien. Voilà. Tu te prends pas le mur, s'il te plaît. Putain, mais il est con, il est. Tâche, je vous jure, mais. De moment, les pilotes B-Spec, j'ai envie de les avoir comme ça, là, à côté de moi, histoire de les baffer, je vois qu'ils sont de conneries. Regarde-moi ça, putain, mais même un manche ferait mieux, bordel. Bon. On va recommencer, hein.
Putain, mais ça m'énerve ça, bordel! Bon, on va la recommencer, donc on a 55 minutes de vidéo. Alors, moi qui avais prévu de finir les deux pistes à 52 minutes, bah c'est raté. Vu que bah, déjà celle-là, on doit la recommencer. Et plus l'autre. Bon, l'autre, je pense qu'elle va être plus simple, bah, je m'en fous. L'autre, elle est plus simple, mais bon, celle-là, là, putain, on va en chier, les gens. Et je vous dis, là, on est parti pour une heure. On est parti pour une heure, donc on va faire l'aspect derrière, histoire qu'on arrive au moins à une heure et demie. Allez. Ok. On va pas lui demander d'accélérer tout de suite. On va voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il fait. Ok, on est déjà troisième, c'est bien. Vas-y, reste collé derrière la Cupra. C'est bien. Ça va te demander de dépasser au prochain virage. Non, non. J'ai demandé de dépasser, pas de te faire des putains de merde, j'en ai marre. Allez, dépasse. Voilà, c'est bien. On va essayer de les suivre à deux là, histoire que l'autre il m'aide à faire pression. Bon, en fait, on va devoir le dépasser parce qu'il est un peu lent. Trop tard ces vitesses, hein, c'est ouf. Putain, mais arrête tes conneries, putain. Ils se mettent la pression là, c'est bien. Nous on est en spectateur derrière. Mais freine, bordel, là, t'as aucune pression, qu'est-ce que tu vas te foutre dans le mur? Allez, augmente ta vitesse maintenant. Non, mais il reste dans l'aspiration! Putain! Des abrutis comme ça, on n'en fait plus, hein, c'est moi qui vous le dis. Oh lolo. T'as bien fait t'écarter, toi, là-bas. Hein, ouais, on est parti pour une heure. Bon, bah tant pis, on fera l'aspect derrière. Hein. Ça va être plus long, ça va être plus chiant. Mais sérieux, mais. De quoi?